Salut à tous, c'est Eric Le Gaulle de chez Galago Musique. Alors aujourd'hui, la suite de l'initiation au funk hein, que j'avais entamé, je crois, il y a 2 ans. Comme j'ai pas beaucoup de temps, je me suis dit que ce cours-là ferait très très bien l'affaire et que ça pourrait vous plaire. Donc, je vais vous montrer des positionnements spécifiques qui fonctionnent très bien et vraiment tout se passe à la main droite. Donc, je me rapproche juste pour vous montrer de près les accords et après comment ça se passe là-bas. Donc, sur l'ampli, je suis sur le clean channel. Clean channel. Voilà, donc vous essayez de mettre un son aigu, donc pas forcément les trebles à fond, parce que moi ça m'agace les oreilles, mais enfin, c'est vous qui voyez. Mais voilà, pour le funk, c'est vraiment des sonorités aiguës. Et sur la guitare, vous mettez sur le micro chevalet, donc le potard le plus à droite. Alors, le premier accord est un sol mineur en position partielle, qui doit sonner comme ça. Donc, je fais quoi? Je place l'index sur les 3 dernières cordes aiguës. Je rapproche bien le doigt de la frette, donc à droite dans la case, hein, c'est toujours la technique. Et je vais placer l'annulaire sur la 5e case de la corde de Ré. Donc là, c'est ces 4 sons-là qu'on doit entendre. Donc le pouce vient par-dessus bloquer le gros mi. Donc vous appuyez pas trop, hein, surtout sur l'électrique. Sinon, on va attendre une basse, on veut pas. On va juste un ch'tonk. Voilà, donc ça c'est le ch'tonk. Et pour bloquer la corde de là, on va utiliser la technique du bout du doigt. Je sais pas comment on pourrait l'appeler cette technique. Qui consiste en fait à venir appuyer sur une corde avec ce doigt-là, la corde de Ré, comme on veut. Et en le plaçant comme ça, stratégiquement entre les deux cordes, normalement, la corde de La est bloquée, d'accord? Donc l'annulaire se placerait entre la corde de La et la corde de Ré. Vous le pensez comme ça. Vous ne vous dites pas j'appuie là et après je pousse pour bloquer. Vous visez entre les deux cordes. Et normalement, celle-ci sort et celle-ci est bloquée. Ce qui fait que vous pourrez gratter tout et entendre que 4 sons sur les 6 cordes qui sont grattées. Donc on va pouvoir faire des variations mélodiques sur cet accord. Ça c'est sol mineur comme on a vu avec le pouce par-dessus. Si vous restez que comme ça, le pouce peut rester à sa place. Mais comme on veut un petit mouvement mélodique avec le petit doigt, on va plutôt disposer le pouce un peu derrière. Vous allez voir pourquoi. C'est parce qu'on a besoin de placer le petit doigt à un moment donné sur la 5e case du petit mi pour faire un sol mineur 9. Puis pousser ce petit doigt en 6e case du petit mi. Si le pouce est là-haut, ça va être très compliqué. Donc plutôt comme ça. Et dans vos gratte-gratte, même si le mi du coup reste à vide comme ça, vous essayez de faire en sorte de gratter un petit peu en diagonale pour éviter le gros mi. Donc ça, c'est le premier accord. Le deuxième accord, ça va être un accord de Do mineur. Vous décalez tout ça en 8e case. Index en 8e case. Et on fera pareil. Voilà. Le troisième accord, vous décalez tout 2 cases à droite. Un accord de Ré mineur. Et puis voilà, on a vu tous les 4 figures. Après, on descendra sur un Do mineur. Et fin. Ok, on attaque la rythmique. Donc pour la rythmique de main droite, comme dans le cours numéro 1, ce que vous expliquez, vous n'arrêtez pas de faire des allers-retours. La poignée est très très souple, voilà, comme ça, et 1, 2, 3, 4. D'accord, début très régulier. Pour faire une mesure complète, il faut qu'on ait 16 doubles croches. Donc il faut 4 doubles croches pour faire un temps. Comme on est dans des mesures à 4 temps, j'ai envie de dire comme d'habitude, il nous en faut donc 16, 4 fois 4. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 5, 6, 7, 8. Vous avez eu 16 comme ça mouvements, vous êtes sûr que vous avez terminé votre première mesure. Donc pour la rythmique, au départ, on va jouer sur le 1, 2, le 5 et le 8. C'est-à-dire, vous placez votre sol mineur, pour l'instant le coup du petit doigt, on le fait pas, on verra après. On va faire entendre donc 1, 2, 5 et 8. Genre entendu, c'est quand on appuie, et quand on enlève le poids, c'est quand on n'appuie plus. C'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je refais. Et les 8 mouvements suivants, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ce sera muté. Donc on fait entendre uniquement 1, 2, 5, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, donc ce qu'il faut vraiment, c'est quand... là au début on en a 2, donc on peut laisser enfoncer. 1, 2. En revanche, dès que vous avez fait la fin du 2, je ne veux pas en réentendre un troisième coup derrière. Il faut par exemple que ce soit très cadré. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous voyez, donc c'est vraiment kick. On appuie, c'est comme si vous vous brûliez sur la touche. Ah, je reste pas. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Donc pas vite comme ça, on se dit, ça ressemble pas à grand chose. C'est pas faux. J'accélère progressivement.
Maintenant, sur le 5 et le 8, on va placer respectivement le petit doigt à la cinquième case, sur la cinquième double, hein, tombe bien. Et ensuite, à la huitième double, on placera le petit doigt sur la sixième case. Genre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Si vous voulez faire une variante, le petit doigt peut également appuyer sur la corde de si. Mais pareil, en cinquième case et sixième case. Ça fait un son super funky aussi. Pour l'instant, je pense que c'est bien de viser le petit mi. Ça vous permet déjà de vous habituer. Parce qu'après, il faudra chercher entre les cordes et tout, machin. Donc, soit... Soit... C'est pareil. Vous faites après votre exercice. Ça, c'est juste un exo général pour vous montrer comment ça fonctionne. Après, à vous de faire les variantes dessus. Ok. Donc, ça... vous le faites déjà autant de fois que vous voulez pour commencer. Et après, on va intégrer la suite d'accords que je vais vous montrer dans une structure blues en 12 mesures, une structure très très traditionnelle qu'on a dans des milliers de morceaux, genre Sweet Home Chicago, tout ce qu'on veut. Voilà, donc ça c'était le motif numéro 1. Je vous le refais une dernière fois. 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. Ok, le motif numéro 2, on va rester, on va garder les doigts enfoncés plus longtemps au début, on va faire. J'adore ce truc là. 1, 2, 3, 4, 5. Enfin, il y a 5 coups, on reste enfoncé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le 6, c'est le petit doigt qui arrive en 5ème case, là. De toute façon, il y a tout sur la partoche, hein, galagomusique.com. Donc, s'il y a des croix sur la partoche, c'est que c'est muté, d'accord? S'il y a des chiffres, c'est que c'est entendu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6. Et comme tout à l'heure, les 8 derniers coups sont grattés, sont bloqués. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je refais encore lentement. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Le 7, vous enlevez le poids. Et 8, vous remettez le poids avec le petit doigt en 6ème case. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. J'adore ce plan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Donc, important que le 7ème coup soit muté. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mute. Ok, donc les deux motifs d'affilée correspondent exactement à deux mesures. Donc pour commencer le morceau, vous faites deux fois ce que je viens de faire au sol. On recommence. Rendu ici au bout de 4 mesures, dans un blues, on se baladera vers le 4ème degré. J'entre pas dans les détails, mais bref, on se baladera en Do mineur. Et on fera exactement pareil, deux mesures complètes, donc les deux schémas d'affilée. Donc là, je suis en 8ème case. Ah là là, mais on voit rien depuis tout à l'heure, peut-être bien, non, tu vois. Dès que vous avez fait deux mesures en Do mineur, on reviendrait en premier degré sur le Sol mineur, pareil, deux mesures. Et là, vous savez faire déjà les deux tiers de notre grille blues en 12 mesures. Il me reste à vous montrer les deux dernières positions, et c'est bon, je vous l'aurai fait. Deuxième fois. Le Do. En et en Sol. Et le cinquième degré, ça va être un accord de Ré mineur. Donc c'est comme les deux autres, hein, mais on est en dixième case. Index en dixième case. Dixième case. Donc sur ce Ré mineur, vous feriez un truc comme ça. Je le refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 6, 7, 8. Je recommence. 1, 2, 3, 4. Là, je reste tout enfoncé pendant 4 mouvements. 1, 2, 3, 4, 1, 2. J'ai 2 qui sont bloqués. Après, ouais, c'est ça. Il y en a 4 entendus, 2 bloqués, 4 entendus et 6 bloqués. 1, 2, 3, 4, 1, 2. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8.
on aurait une mesure de ça. Donc une mesure, bah, c'est tout le schéma que je viens de vous montrer. Après une mesure en Do mineur, de case à gauche, en retour au quatrième degré. Et on reviendrait en Sol mineur, le plan complet. Fin de la grille, on reprendrait, on resterait sur Sol, et on recommencerait encore 4 mesures du début. Voilà, je vous fais les 12 mesures. Je me rapproche un peu, j'ai l'impression qu'on voit que dalle là. 3... mesure. C'est plus cinquième mesure. Je reviens. Oh. Le dernier tiers du truc, de cinquième degré. Et dès que vous avez terminé une grille, par exemple, pour varier, vous referiez la même chose, mais au lieu d'avoir le petit doigt sur le petit mi, on mettrait sur la corde de 6, qui vous donne un accord de sol mineur 6, qui devient sol mineur 7. C'est pas mal aussi. Vous faites un mix. Oh ben. Donc, dernier petit détail pratique, et puis après je vous libère. Donc là, on est resté en un découpage binaire, c'est-à-dire tous nos allers-retours sont réguliers. 1, 2, 3. J'ai un ami, mon pote Léon, qui appelle ça binaire et fascisant, c'est vrai. C'est une bonne manière de se souvenir que on marche au pas quand on est en binaire. 5, 6, 7, 8. Il y a une méthode qu'on appelle les croches ternaires, aussi les croches shuffle ou les croches swing, ou, hein, qui ferait plutôt comme ça. C'est au lieu d'avoir un découpage du temps en 2, on a un découpage du temps en 3. C'est-à-dire au lieu d'avoir 1, 2, et ça c'est binaire, le shuffle, 1, 2, 3, 1, 2. Donc du coup la première croche semble durer plus longtemps, et ce qui offre un espèce de tagada comme ça. Vous imaginez que vous êtes sur un cheval. I'm alone, some cowboy. Vite. Attends. Je le fais binaire. Ternaire. Binaire. Je sais plus ce que je fais. Binaire. Encore, plus vite. Quand on va vite, on entend un tout petit peu moins la différence, mais l'intention, il faut qu'elle y soit. Donc vous le bossez vraiment bien lentement. Fin de ce tuto numéro 2 sur le funk. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Rendez-vous peut-être très bientôt pour le volume 3, parce que j'ai tellement de trucs à faire que je ne sais même plus à un moment donné par où commencer. En tous les cas, merci toujours à vous pour vos commentaires et vos soutiens et tout ça. À très bientôt, rendez-vous sur le site pour les voir vos amis. Ciao.